Opération NAS. Mission de fou. Savoir si elle est toujours là. Surtout, toujours sauver du poisson. Allez, à plus tard. Voilà ce qu'on trouve encore dans le Rhône. Il va falloir quand même que ça cesse ce bordel. Et il n'y a pas de plaquette de pêcheurs. Hein, voilà, ah ouais, ce que je suis en train de voir. Il y a encore un piège non identifié. Encore un piège non identifié. Ouais, attends, mais ce qui est déjà pas mal, c'est qu'il n'y a rien dedans. Donc on va virer ça de l'eau. Après, les professionnels, ils peuvent travailler. Mais si là, ça appartient à des braconniers, merde. Ah bah, de toute façon, il n'y a aucune plaque d'identification dessus. Donc on est bien d'accord que c'est braconnage et compagnie. Et tu vois, regarde, il n'y a rien dedans. Les os qu'il y a dedans, c'est des cervicales de poisson. Hein. Alors sur la première nasse qu'on a sortie, il y en a une deuxième. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que forcément, il fallait que ça arrive. Opération libération du poisson. Vu comme il a la gueule marquée, ça fait un moment qu'il tourne pour sortir de là. Tu voulais les faire sortir du truc, il restait dedans. Attends, Kono. Putain, il est reparti là-bas. Ah, vous voulez partir? Attends. Ah oui, il est parti. Ça, c'est une aile. Ça, c'est encore une aile, ça.